8h15 en ce 31 juillet 1944. Sur le tarmac de l'aéroport Bastia-Porreta, le commandant Antoine de Saint-Exupéry, pilote émérite, se tient prêt à assumer une mission capitale. Le débarquement en Provence est tout proche, prévu pour le 15 août, moins de 15 jours. Des repérages photographiques sont nécessaires. Saint-Ex va s'en acquitter en pilotant un avion qu'il affectionne tout particulièrement, un bimoteur P-38 Lightning, avion de chasse américain reconverti pour la photo. Il survolera la Provence, prendra des clichés, montera jusqu'à Annecy. Encore quelques clichés, puis retour. Il emporte juste ce qu'il faut de carburant pour 6 heures de vol. 8h25, l'avion décolle. Seul à bord au-dessus de la mer immense, il n'est plus qu'un point sur l'horizon. Personne ne le reverra. Né en 1900 dans une famille aristocratique, Antoine de Saint-Exupéry a connu enfant la vie de château. Enfance heureuse, scolarité moyenne et dès l'âge de 12 ans une fascination pour les avions. À 26 ans, il est engagé chez l'Ateco Air. Il y rencontrera des aviateurs prestigieux, Mermoz et Henri Guillaumet. Il sera chargé de convoyer du courrier sur Alicante. Ce sera la matière de son premier roman, Courrier Sud, paru en 1929. Mal rémunéré par son métier d'aviateur, il devient journaliste en 1932, reporter à Paris Soir. On l'envoie couvrir la guerre d'Espagne. Le fruit de cette expérience, la réalité de la guerre, se retrouve dans Terre des Hommes, couronné par le prix de l'Académie française. Dès l'armistice, il part à New York. Il veut convaincre les Américains de rentrer dans la guerre. À cet effet, il publie en 1942 « Pilote de guerre ». Il écrit et publie à New York « Le Petit Prince », illustré de ses propres aquarelles. En 1943, il est de retour à Alger. À son grand regret, on ne lui donne qu'un avion de reconnaissance alors qu'il aurait préféré combattre. Il s'installe en Corse, à Borgo, le 17 juillet 1944. Il fera quelques reconnaissances aériennes jusqu'à son dernier vol, le 31 juillet. Sa disparition est longtemps restée un mystère. Son point de chute ignoré jusqu'au 7 septembre 1998, où un patron pêcheur marseillais, Jean-Claude Bianco, retrouve dans ses filets une gourmette en argent gravée à son nom. En 2003, un plongeur professionnel, Luc Van Rel, retrouve des morceaux du P-38 au large de Marseille, face à l'île de Rioux. La veille de sa mort, il confia dans une lettre adressée à son ami Pierre Dalloz. « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. »